Syrie, un grand royaume, un grand royaume, les mettent en Syrie à terre. Vous faites pour respecter. Amen. Si mon Dieu ça a été levé Babylone, les chavirer encore. Vous faites pour gagner la crainte de Dieu. Amen. Et dans le dernier temps ça, dans le dernier temps ça, même bon Dieu ça, qui t'a renversé Babylone, la Grèce, les Mèdes et les Perses, bon Dieu avertit qu'il a renversé encore des royaumes. Amen. Si vous pas respecté autorité. Les voyez si oui pour qui montrer ça. C'est moi-même avant qui ne pas comprendre ça. C'est pour la première fois dans l'histoire, n'entrer dans le millénium ça. C'est pour la première fois dans l'histoire que le tremblement de terre multiplié comme ça. C'est à chaque seconde, quand on m'a parlé ensemble avant là, il y a des tremblements de terre qu'on n'a pas même senti. Qui avait une magnitude qu'on n'a pas même senti. Parce que les mains sur Internet, là, m'a cherché, et puis m'a joint que une série de signes qu'on mettait sous toute planète là, côté tremblement de terre, fait pendant un paléa, et puis pour le tremblement de terre, en fait. Ils n'ont pas secoué la nation, hein, parce que ils n'ont pas de gros magnitude. Mais quand ils ont commencé à atteindre 7, 8, 9 magnitudes, c'est à partir de ce moment que la nation a commencé à sentir ça. Donc, les bons dieux font un avertissement par des tremblements de terre, c'est pour le faire nation reconnaître et pour le faire le monde entier reconnaître que l'ion vivant, c'est que l'île là, combien de monde qui croit mon Dieu là? Mon Dieu là, tremblement de terre en Haïti, c'est ton signe. C'est ton signe. Pour vous montrer à tout peuple haïtien, il faut nous réveiller nous. Parce que le ciel l'a frappé pied maintenant. Et nous avons dans ce maintenant, pour la première fois dans l'histoire, tu es toujours gagné coup d'éclair sur Aaron. Tu es toujours coup d'éclair Aaron. Mais immédiatement que le peuple là-bas démissionne, et puis qu'on coup d'éclair frappé basilique là. Dans le jour là-bas, il démissionne. Ciel l'a dit au bagaille. Quelques jours plus tard, pas longtemps. Et puis, ciel l'a volé en roche. Qui sortit dans l'espace. Et puis, qu'elle frappait la Russie. Et puis, le monde entier réveillé. Le monde entier dit, ah, ça, c'est, est-ce que ça a cette tribulation? Est-ce que ça a son jugement? Est-ce que ça a son signe? Tout le monde a posé des questions, ça a rien. Parce que ciel là. Pas jamais envoyé un message. Pour que vous ici. Il dit qu'on bagaille, le Seigneur a dit. Il dit qu'on bagaille. Le Seigneur a dit. Dites ça encore, non. Qu'on bagaille, le Seigneur. Dites encore, qu'on bagaille, le Seigneur. Qu'on bagaille, le Seigneur a dit. Qu'on message, le Seigneur, à vous. Qu'on bagaille, a dit. Qu'on message, l'a envoyé. Donc, c'est les yeux ouverts. Mais vous-même qui êtes là, libre rêve tout. Les beaux rêves. Quel rêve ou fait le passé? Ou qu'elle doit prendre pour former, ou qu'elle doit prendre pour nation. Mais quelquefois, rêve, ça, c'est rêve qui annonçait au Seigneur de bagaille qui ne prend pas le passé. Donc, c'est le premier bagaille que je voulais remarquer, qu'on voulait remarquer en soi. Hein? C'est signe d'être. C'est signe d'être. C'est pour s'y ouvrir sur ce qu'a fait. Tremblement de terre, yo, pas pour que Messi. Tempête, yo, pas pour que Messi. Vous êtes clair, pas pour que merci, c'est que ciel la grande parole là. Et moi-même avant, nous pas doit ignorant. Pour nous dire ça, pas dit non, hein? Oui. Jésus dit, l'eau, ouais, bagaille, ça va priver. C'est pour qu'on ait le Fils de l'homme est prêt à la porte. Vous voulez dire Maranatha. Maranatha. Vous voulez dire ça, Maranatha. Dis encore 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 Maranatha. Maranatha. Les autres hommes ont dit Maranatha, c'est pour du Christ revient. On a dit avec Maranatha. Dis encore Maranatha. Maranatha. Christ revient. Christ revient. Il va pas tendre l'autre sang. Même si on est bien habillé là, ou bien habillé, nous venons dans le service là, ou bien on doit sortir là, et puis c'est apparaître. Amen.
Et cela ensemble avec. Il va prendre le temps. Il va prendre le temps. Dernier bagage Abdou qui voulait rafraîchir mémoire et puis attirer attention sur lui, qui est important. Non seulement signe des temps, tremblement de terre, tempête, coups d'éclair, etc. Donc, moi, je voulais songer que le livre de l'Apocalypse, il prend un livre simple. Il prend un livre simple. Il prend un livre simple. C'est un livre que l'Éternel pas bail tout le monde droit pour déchiffrer. Parce que faut qu'on dose herméneutique, ça donnerait les sciences de l'interprétation pour capable déchiffrer les bizarres. Parce que non seulement son problème, non seulement son problème. Parce que l'heure dit révélation, son problème. Révélation, son problème. Parce que mot révélation, hein, c'est depuis dans Genèse. C'est depuis dans Genèse. On va rencontrer avec mot révélation. Hein, parce que Dieu se révèle. C'est la foi pour faire contre mon Dieu. C'est la foi pour faire contre mon Dieu. Donc, Dieu se révèle. Après avoir autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères, les prophètes. Dans les derniers temps, Dieu nous a révélé par le Fils. Dieu nous a révélé par le Fils. Le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc ça veut dire que depuis la Genèse, jusqu'où il vient dans l'Apocalypse, Dieu se révèle. Donc le Dieu que nous servons est le Dieu de l'histoire. C'est mon Dieu qui fait histoire. Elle fait histoire. Histoire, création, c'est mon Dieu qui fait. Et faut que c'est un de mon Dieu pour mon Dieu révéler une série de bagages. L'appel mon Dieu avant. Est-ce que là ensemble? C'est ça fait simplement à soi en trois points. Ma pour conclure à soi pour me aller. Mais en trois points, je voulais imagination et l'esprit comprendre ce qu'a fait là. Le livre Apocalypse, premier salle, montrer son vision de la grâce de Dieu. La vision de la grâce. Depuis Genèse 3:15, le Seigneur annonçait grâce. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait une postérité. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait un dragon, un serpent. Dans Genèse 3:15, mon Dieu annonçait un jugement. Tu lui raseras la tête et il te blessera le talon. Qui postérité ça, la postérité de la femme? C'est ça qui fait obligé de prendre précaution parce que l'arrivée dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, le chiffre 12, c'est un chiffre qu'on doit considérer un peu parce que le chiffre 12 rentre dans le chiffre du royaume de Dieu. Et chaque fois, ouais, 12 fois, ouais, Israël. Parce que le chiffre 1, c'est le chiffre de l'absolutisme de Dieu. Dieu est absolu, Dieu est 1. Chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité. Chiffre du ciel. Chiffre 4, c'est le chiffre de la nature, de la création. 5, le chiffre de la grâce. 6, le chiffre de l'homme. 7, le chiffre du Saint-Esprit. 8, le chiffre de la résurrection et de la transcendance. 9, le chiffre de la prospérité et de l'abondance. 9 mois pour des petits mounes et puis le fait. Le chiffre 10, c'est le chiffre du fini. Le chiffre 11, c'est le chiffre du désordre. Et le chiffre 12, c'est le chiffre du royaume. Donc du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12, on va voir qu'il s'agit de un seul peuple. Le peuple d'Israël. Et ça fait si, amen, ou besoin qu'on qui le lié dans l'éternité, faut que je vous fixe sur Israël. Bah, bravo pour le Seigneur pour ça. Monde qui veut se compte, qui le lien dans l'éternité, c'est fixé sur Israël. Parce que c'est Israël, bon Dieu, nous comme modèle. Et monde qui sauve nous, sont israéliens. Monde qui sauve nous, sont juifs liés. Alors, on ne peut pas dire amen. On va dire comme ça. Le salut vient des juifs. Jésus sont juifs. Jésus sont Israël.
Et ça fait le dit, il pas venu premièrement pour vous, il vient pour petit lio. Il vient pour peuple. Et pour peuple il vient. Et ça fait le dit femme non, il dit femme clairement. On pas venir jeter paix. Paix papa maman moi, on pas venir jeter le bail cochon. Bail chien. Bail pousseau. Non, il traite femme de chien pour ça. Parce que les nations de la terre, la présence de Dieu, ce sont des chiens, ce sont des étrangers. Le paganisme est mauvais. Donc, si elle était tellement humble, elle était tellement soif de salut, elle dit, Seigneur, Seigneur a songé que monde qui a besoin d'un chien, elle a besoin de grand goût. C'est nos pieds mettre la fruité. C'est en bas table mettre le ramasser grâce. Donc même si manger a pas de fête pour moi, mais grâce là on va ramasser dans bas table. On va comprendre ça me dire là. Donc toute grâce où on joint Dieu, c'est bon Dieu fort joint Dieu. Ou pas pour salut, ou pas pour venir dans main, là ben on dit amen. Mais le Seigneur fait joindre grâce là. La grâce du salut faveur mon Dieu. Ou qu'a mon Dieu dans mon jour, ou qu'a cité dans l'éternel, ou qu'a levé mon lord dit gloire à Dieu, c'est pas la grâce de Dieu. Puis si tout malade ou imposé les mêmes guéris, c'est la grâce de Dieu. Maison, diable, pas qu'à m'attaquer, la grâce de Dieu. Tout le monde qui croit, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Pas grâce pour le Seigneur. Viens avec la grâce de Dieu. On va douer que salut entre la caillou. Oh, où sont nos pays, c'est un gars seulement. Magie seulement avant ma palais. Oh! Pays, c'est pas pour Africain, non, c'est pour Indien, oui. Oubliez la reine Nadakaona. Oubliez Indien, yo. Oh, pour entrer, Français, entrer. Mais Indien, on est là, on va dire avant. Et puis, quand on prend Africain, sorti bien côté en Ghana, là, on va dire avant. En Guinée, rentrer dans le pays. Et puis, viens faire travail forcé. Et puis c'est non, travail forcé à un mélange. Dans mélange. La Bible dit avec. Ah, avant m'en parler, oui. Si couleur orgueil, c'est parce que qu'on croisement fait. En nous même avec blanc. La Bible dit avec. C'est noir derrière. Et ça me fait être toujours green. La Bible dit avec. Mais Africains entrent dans le pays avec tout en gali, avec toute magie. La Bible dit avec. Et ça fait Bookman, ou pas qu'habiller Bookman. Parce que c'est nos cérémonies vaudou. Nos cérémonies vaudou. Nos fait noir. À minuit, 2h du matin, ils ont tout le cochon. Et puis tout le monde boit lui. Pour aller couper tête pour les cailles. Là-bas, on dit à faire. Et ça fait 100 cochons, ça a toujours. Nos 100, fait pas ici. Ils ne pas carrer mes lots. Là-bas, on dit à faire. La femme dit, ah ben oui, et ça fait un pile là-dedans, albéen, dans son dos, albéen tout partout, parce que ouais, on est là pour albéen, parce que diable fait au sale. Mais l'homme vient jouer, mon Dieu, faut propre. La femme, est-ce que c'est l'évangile qui a prêché là? Quand le monde, mon Dieu, la femme, quand le monde, mon Dieu, purifié, quand le monde, mon Dieu, sanctifié, quand le monde, mon Dieu, fait grâce, dis alléluia. Il la femme. Même si famille ont été des diables, même si des mondes réclamés, mais leur prend Jésus comme sauveur personnel, diable pas que pour voir son corps, parce que mon Dieu est délivré. Là, mon Dieu a l'air. Même si j'ai une jeune fille qui est dans le séminaire, là, elle étudie. Et puis, jeune fille a dit, pendant la étudie dans le séminaire, là, il y a un bouleversement, trouble, qui a bouleversé le trouble. Il va comme ça pour le faire, trouble à bouleverser. Et puis, pendant qu'elle a prêché, et puis il approche jusqu'à après service. Et puis il dit, pasteur, je ne vais pas dire tout le monde ça. Mais ma tante, moi, t'es venu moi en couleuvre. Ma tante, moi, dit, je viens joindre un jour. Et puis le mal joindre en papier bois. Et puis je garde moi, couleuvre là en lettre au pied bois. C'était ma tante, moi, sous tête pied bois. Et puis il descend. Et puis le longeon, un bol bon, moi, t'es sang là-dedans. Et puis le femme boisson, depuis l'air, moi consacré avec diable.
Je dis, je vais aller à tout.